la République démocratique du Congo. En Dekonangaï à Kinshasa. Fini les brûlures des appareils électroménagers et des équipements électroniques lors des surtensions, des fluctuations de tension, chute de tension, ainsi que des coupures de neutres ou présence de phase sur les fils neutres. Mwanamboka, ingénieur Évariste Bolala, génie congolais, Amemelibiso, ba invention naye na Komboya, Pontball, pontage de phase automatique. Et mwana maman, so ki phase kei, komi tungisate, toko bricole logette na yote. Voici la logette électrique intelligente, solution électrique. Pontball avec groupe, wana pona ba groupe électrogène. Logette électrique intelligente. Oko raté ba match na TVT. Ball phase. Basculement automatique entre deux lignes électriques en fonction du nombre de phases. Yangope et Zalion. Manchon Bolala. Sokyo Kangina Yango câble. Connexion. Ekozi Kalisusu Teo. Kokamouin. Nos adresses. 10e rue Limité résidentielle. Petit boulevard Lumumba. Contact. 099 99 47 891. 081 66 06 107. Tala bien. Bakoma, Skafme, Iyo, Wela Tango. Bande kobatali mbote epai banso bozwami pona kolanda tindika tindika spécial ya lelo. Lelo tokobeta masolo ya mokonzi ya Saoudi, Dr. Eteni Longondo, oza ko poursuivre tournée na ye héro américaine. Nangonga oza koloba azali bongo na Seattle, na Washington, epai wapi akutani na fondation Bill Melinda Gates, donc moi si y a Bill Gates na yemoko, monsieur Bill. Et si kawapi bazui ba décision et belé ba vandi na équipe technique mobimba ya Bill Gates pour nous rejoindre makanisi boni boni ba ko songa République démocratique du Congo na makambo tali Saoudi. Kuna mabeti masolo ya renforcement ya système ya santé ya République démocratique du Congo, mabeti masolo ya planification familiale. Poete bisope awa manque ya information bozomona population ezakomata sekomata poete information ezate moto ebite akobota ndenge nini par rapport pe ba moyen o yazali na yango to umelate television de songi songi bomona epai wapi docteur Eteni Longondo aza ensemble na équipe technique ya bato bazali pembeni pembeni ya Bill Gates bazo mikano pona kosalisa République démocratique du Congo, na masolo ya Saoudi. Bolanda. Na cadre ya tournée héros américaine, mokonzi ya santé mwanamboka Eteni Longondo akomaki mokolo ya lobi loleki na engumba Seattle kuna na Washington wa pepai docteur Eteni Longondo asalaki déplacement ya ko visiter fondation Bill na Melinda Gates pe akutanaki na ba quelques partenaires. Tour à tour, mokonzi ya santé Eteni Longondo a échangé ki na quelques équipes techniques lokola équipe ya paludisme, rougeole, pe poliomélite, pour ko renforcer système ya santé, planning familial, maladie tropicale na santé. Nyonso esalamaki kaka au même moment ya ba rencontre wana. Mokonzi ya santé Eteni Longondo atalisaki na ba interlocuteur ba problème oyo RDC ezali ko vivre na secteur ya santé. Lokola vision ya tata mokambi ya ekolo Congo Félix Tshisekedi oyo etali bo kolongono bwa nzoto nde ezali pe priorité ya mokonzi ya santé Eteni Longondo. The country on the global fund application, but what do we do next? And that is what we are trying to figure out right now. We're trying to listen and learn because historically this is we have not engaged on malaria in DRC, but we realize that over the next 5 years, we need to do that in a bigger way. We did this first small step, but now we have to come back and say, here's what a credible and well-planned step after that looks like, and bring that to our leadership for approval.
Nakati ya masolowana balobela ki oye talibongo couverture sanitaire universelle, protection ya bana na nzela ya kopesa bango vaccin. Na suka ya masolo, esengeli boye bake Fondation Bill Gates bazali bongo déterminé ya kosoutenir gouvernement oyo ekambami na mokonzi ya mboka Fatshi Béton. Na masolo wana bazangi sakite kobeta masolo ya ba maladie tropicale to ba maladie o ezali lié na Afrique. Lokola ba malaria, ba fièvre jaune, ba maladie du sommeil, ba maladie o ezali pe na maladie ya bato bavandaka na Afrique. Ba bosani pete masolo ya couverture sanitaire universelle et puis ba vaccination pona bo kolongono bo nzoto ya bana mike. Et puis kuna na masolo wana Nenge Karine Ivili ya uti koloba ya solo Bill Gates akati ndai ya koloba ke ye penza nzoto na gouvernement kongole o ezali kokamba manamwa na mboka Fatshi Béton mokonzi wa mboka na docteur Eteni Longondo ministre ya Saoudi ya République démocratique du Congo tout à l'heure sous ndenge epai wapi mwana mboka docteur Eteni Longondo azonya takingelesi tope anglais Oyo bwanya ya wapi mwana mboka Eteni Longondo azuma loba tola na lesusu to support us in the fight against malaria but you know we have a team if you want to know the next steps you can discuss with that team you know they will provide you with enough information so that you can be oriented on how to do. If you involve them in this discussion from the beginning, yes, and then maybe in 2 or 3 days you can find a way, you know, to found a big malaria program in Congo. As you know, Congo is one of the 10th high burden malaria countries. Tolobaki mikoleleki makambu ya bato banda République démocratique du Congo et Salama nanu botikala komona navire médical te hôpital na kati ya mai baza ko traiter yo baza ko pêcher moto baza ko tumba sur place ba ange baza ko assister yo mukuruta panzi pembeni docteur Eteni Longondo yaki nango to betaki masolo bomona ki ba imagite botala ndenge makambango et Salamaka lelo Bota la image, caméra, ndi songi, Bolanda. L'hôpital, on fait deux choses. On soigne les gens malades qui ont besoin d'aide, qui attendent l'espérance. Et on fait des formations de médecins, des augmentations des capacités dans le pays au long du jour. Ça fait plus de 37 ans qui ont fait ça et on se réjouit de venir chez vous. Mercy Ships existe pour les derniers 30 ans. Dans les dernières quelques années, on avait visité et servi le Cameroun, le Bénin, le Guinée et le Sénégal. C'est essentiel pour nous, quand on visite un pays, qu'on travaille main dans main avec vous. Au Guinée, on travaille avec le président, avec le premier ministre, avec le ministère de la Santé et bien sûr avec les médecins des hôpitaux et les systèmes existants. Vous avez les choses en place, on est là pour travailler main dans main avec vous. Pour servir vos peuples. Comme j'avais dit, il y a deux choses qui ont fait. Une chose la plus importante, c'est les gens qui nous accueillent. On est là pour chaque individu qui attend l'espérance. En plus, on travaille avec des médecins locaux pour faire l'augmentation de capacité, de formation. Et on est là pour améliorer le système de santé où il est possible. Dans le côté chirurgical, je ne vais pas parler de chaque chose qu'ils ont fait. Mais derrière chaque pathologie, il y a les gens. Il y a les gens, comme vous voyez sur l'écran, qui attendent pour le recommencement de la vie. Et pour plusieurs qui sont aveugles, le début de leur vie. Le début de leur possibilité d'avoir une vie normale. Ça, c'est une des choses qu'ils ont fait, qu'on se réjouit de faire chez vous. En plus de le côté chirurgical, on a le programme dentaire. Quand on parle de renforcement de capacité, il y a le côté mentorat. On a toute une liste de différents programmes de mentorat qu'on peut faire. Mais ça, on doit régler ensemble avec vous en avance.
on doit regarder où sont vos besoins. Qu'est-ce qui sont les mantras qu'on doit faire qui correspondent avec vos plans sociétales. Dans le côté aussi, on a le côté des cours. On offre plein de cours, même des cours dans le côté agriculture. On fait des cours dans l'anesthésie, il y a toute une liste de cours qu'on peut offrir. Et encore, on regarde ensemble avec vous, quand on prépare dans le futur, en visite de bateau, pour regarder quel cours vous avez besoin. Quand on vient chez vous, on a trois phases. On a en phase pre-shoot. Ça veut dire qu'on travaille ensemble. Normalement, ça peut prendre jusqu'à 2 ans de préparer le terrain, de regarder qui sont les patients, qu'est-ce qui sont les programmes qu'on peut faire, comment on prépare. Et même des fois, on commence déjà le programme en avance. On peut avoir des formations, des choses qui se passent. Et après, on déploie en un navire pour 10 mois. Pendant ces 10 mois, on fait des informations à bord, on travaille avec vous. Et après ça, on a 2 ans après qui s'appelle le post-shoot, qui on fait le follow-up et évaluation de nos travails en espérance de revenir aux autres fois. Maintenant, je veux parler de l'un des plus grands désirs pour nous en Afrique. Je veux parler de 80 millions de personnes. Il y a 80 millions de personnes qui ont besoin de l'aide. On parle de chez vous. Moi, j'étais là en 2013. Quand j'étais là, je voulais absolument voir un de nos bateaux qui est venu à Matadi. Mais c'est pas si loin. Je vois déjà le bateau là. On a un nouveau bateau qui va venir, c'est le Global Mercy. Dès qu'il est fini, on va avoir la possibilité d'avoir 2 bateaux qui servent l'Afrique. Je veux finir avec une petite histoire, l'histoire de Saint-Bali. C'est un monsieur qui a baladé pour plusieurs jours pour rejoindre le bateau. Il avait une tumeur énorme, un de les plus grands. Alors j'ai fini avec ces vidéos. Naïebi kebo sepeli. Soki bo moina bimi yeke yeke. Tope saï saï. Marquis Matangila. Ndezala ki na kamera. Yana bongo kameramen ya ministère ya santé. Ba voya mwa siki toko boyo ki wana Karine Ivili. Waza ko sala pana lokumu ya docteur Eteni Longondo. Pe lokumu ya ministère ya Saoudi. Nga moko obosi boye bingai. Kamwa si Georges Papi. Pona kitoko. Ya boko longono wa nzoto. Ya bako ngole nyoso. Et pour na fachi beton, wazali mokonzi, ya gouvernement mobimba, tope, on est engagé RDC. Toti kala na molimo, menanzoto, to kabwani. Bisonabino, fara. Nyon soyo docteur était na osala na États-Unis. Et ça pour l'intérêt ya peuple congolais. Azako kende ko lela, ko senga ba moyen, pour bino, pour zala kitoko, pour l'intérêt général. Merci docteur Eteni Longondo, na équipe, bozana ba mokou na ba Sandra Walo, tchoso zela bino na Kinshasa. Pour voyager moussous, ils allaient. Mbaloyo, attendant les papous et avions, t'en rokende. Tout ce qui wana. Merci.